Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons parler pendant la demi-heure qui vient d'intelligence artificielle en pratique et l'expérience que j'ai eue, la chance que j'ai eue de pouvoir tester des outils développés par IBEX. Et sans plus tarder, donc mes liens d'intérêt. Ce n'est pas à une assemblée de pathologistes que je vais expliquer ce que nous faisons, mais tout de même, c'est toujours avec plaisir que l'on voit que notre activité commence bien évidemment avec la macroscopie, l'intégration des données de l'immunohistochimie, de l'HES et de la fiche, et dans un plus grand nombre de cas, un nombre croissant de cas, des données moléculaires, et que toutes nos informations sont utiles pour les décisions thérapeutiques prises en RCP. Alors, la numérisation... Il y a eu plusieurs communications à l'instant et on va en parler au cours des trois jours. En pratique diagnostique, évidemment, d'être digitalisé, ça permet d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour les analyses diagnostiques, pour l'évaluation de marqueurs. Et on espère qu'effectivement, ça nous permettra d'avoir un gain de productivité et d'avoir une très bonne fluidité dans le parcours de l'échantillon jusqu'au compte-rendu. Mais également, et c'est ce que les outils développés par IBEX permettent d'obtenir, ça permet d'augmenter la qualité diagnostique. On est toujours un peu susceptibles, nous les pathologistes, quand on nous dit que l'intelligence artificielle permettra d'augmenter la qualité diagnostique. Mais néanmoins, j'espère qu'on va réussir, enfin, vous convaincre avec ce qu'on va vous montrer. En tout cas, c'est clair que la digitalisation permet de partager les lames au niveau régional, au niveau national. C'est un formidable outil d'enseignement et le professeur... Philippe Berthaud a été un pionnier en la matière et les internes de pathologie ont une chance incroyable en France d'avoir ces outils numériques. Et puis, en Île-de-France tout particulièrement, comme chef de département, on est bien confronté à une problématique. La vie en Île-de-France est chère et de numériser les services de pathologie permet d'offrir des possibilités de télétravail à nos pathologistes qui, bien sûr, auront une partie de leur temps dans les services pour s'occuper des pièces anatomiques et des biopsies, mais pourront assurer une partie de leur travail diagnostique de façon délocalisée. Et puis après, l'IA ouvre et la numérisation ouvre de formidables perspectives en recherche et, en tout cas, ça a été mon expérience des années précédentes. Alors, déjà, je suis dans le vif en ce moment de l'installation de la numérisation du département de pathologie à Curie. On est deux services, l'un coordonné par le professeur Yves Allory à Saint-Cloud et moi sur Paris. Et puis on travaille avec un autre établissement dont on récupère la pathologie, les diaconesses Croix-Saint-Simon, les spécimens allant sur le site de Saint-Cloud. Donc on est à peu près 12 sur le site de Paris et à peu près 9 sur le site de Saint-Cloud. Et on a 1667 lames par jour en moyenne à gérer. Alors, comment on s'est organisé? On a la numérisation des images macroscopiques et puis on utilise le système de gestion de laboratoire Ariane de Dédalus. Les techniciens nous préparent des lames et avec une traçabilité optimale grâce à Ariane. Pour numériser nos lames, on a plusieurs scanners, des Leica GTK150, un Hamamatsu NanoZoomer 360. Comme PAX, nous avons choisi Sectra et IDS7. Le système de gestion de laboratoire nous permet de faire des comptes rendus structurés et standardisés grâce à InfoPass dans Ariane qui sont versés dans le dossier patient informatisé qui s'appelle Helios, qui est fait homemade. Qu'est-ce qu'on a choisi de faire pour nos 1667 lames jour? On les stocke à chaud pendant 3 mois, durée de vie de la pièce opératoire, et puis on a pensé que c'était plus écologiques, mais ça évidemment je vais le dire du bout des doigts, mais en tout cas de garder une lame de référence définitive que le pathologiste va sélectionner une fois qu'il aura validé, au moment où il valide son cas. Alors la collaboration avec IBEX, elle a commencé il y a plusieurs années. J'ai rencontré le docteur Judith Sandbank qui coordonne le pôle de pathologie à l'hôpital Maccabi à Tel Aviv. Elle a autant d'expérience en pathologie mammaire que moi, bref, on a parlé la même langue. Donc on était tout de suite en confiance. Donc qu'est-ce qu'on a fait ensemble? On a validé leur algorithme Galen-Brest qui a été entraîné sur plus de 110 000 lames. Donc l'algorithme est extrêmement robuste. Les lames de Curie pour la validation 269 cas, ceux de Maccabi 167 cas, les lames étaient complètement anonymisées. Uploadé sur le cloud de IBEX et le Galen-Brest a pu fonctionner. Le premier effet waouh, c'était que l'air sous la courbe pour la reconnaissance des lésions infiltrantes
plus c'est proche de 1, plus c'est parfait et ça fait comme les pathologistes, eh bien cette R sous la courbe, elle est de 0,990. On avait avec une sensibilité et un peu plus de 95% et une spécificité de pratiquement 93,5%. Donc une excellente performance sur des types histologiques assez variés, comme on va le voir dans un instant. Deuxième effet, waouh, on est capable avec ce Gallen-Bress de reconnaître l'in situ de l'infiltrant et à l'intérieur de l'in-situ, de donner le grade, ça je ne vais pas le montrer là tout de suite. Mais en tout cas, pour les besoins de l'étude, les carcinomes in-situ de bas grade étaient couplés avec l'hyperplasie canalaire atypique et étaient distingués par rapport aux carcinomes in-situ de haut grade et de grade intermédiaire. Et là encore une fois, une R sous la courbe très performante de 0,980 avec une sensibilité de pratiquement 94% et une spécificité de 93%. Quand je parlais des sous-types, le sous-type lobulaire, on peut imaginer qu'il soit difficile de reconnaître des cellules indépendantes. Là, encore une fois, très belle performance de l'outil qui reconnaît les types non spécifiques des carcinomes lobulaires infiltrants, entre autres. Mais il y avait également des carcinomes métaplasiques à cellules fusiformes qui étaient parfaitement identifiés. Et quand je parlais de contrôle de qualité, comme je vous dis, c'est toujours désagréable, mais on sait que dans la pratique de laboratoire, si on n'est pas tout à fait assez nombreux et s'il y a beaucoup de biopsies mammaires à interpréter, la fatigue aidant, personne n'est à l'abri de rater une zone infiltrante de petite taille sur une lame ou des emboles. Quand j'ai repris la série, quand je faisais le grand trousse de la série de validation pour l'étude que nous avons eu la chance de faire ensemble, drame, je trouve une lame dans laquelle il y avait ces emboles vasculaires qui n'avaient été pas vus par le premier pathologiste. Bon, ne vous inquiétez pas pour la patiente, je suis remontée évidemment à voir ce qu'il en était pour elle, mais l'algorithme, lui, avait identifié les emboles. Alors, les outils à venir de Dybex, c'est aussi des outils qui vont nous aider à compter les marqueurs. On sait, pour ceux qui font du sein, je crois pas qu'on soit très nombreux là tout de suite aujourd'hui, mais pour ceux qui font du sein, on a dû apprendre à reconnaître PD-L1. Et là, maintenant, après avoir appris à reconnaître les HER2 positifs 3+, des HER2 négatifs, il faut qu'on apprenne les HER2 faibles. C'est une formidable opportunité thérapeutique, il n'y a aucun doute là-dessus. La reproductibilité interobservateur, elle est un peu plus délicate à obtenir. Donc des outils d'IA, et on vient de le voir à la session de présentation orale, c'est intéressant d'avoir des outils de standardisation, puisque nos collègues oncologues médicaux sont souvent très critiques sur le manque de reproductibilité interobservateur. Or là, en la matière, l'outil d'IA développés par nos collègues de chez Ibex, permettent, de reconnaître de façon automatique la zone infiltrante, puisque je vous ai montré que ça reconnaissait l'infiltrant de l'in situ et les sous-types d'infiltrants. Et il y a maintenant une capacité à distinguer cellule à cellule la qualité du marquage HER2, son caractère complet, incomplet et l'intensité faible ou modérée. Donc, la classification est faite suivant les scorings recommandés par la SCOCAP et Ibex est en train de nous préparer des outils K67-RORP et j'espère des outils de reconnaissance des mitoses. Enfin, en tout cas, on vient de voir que c'était extrêmement utile. Donc, un exemple, un carcinome infiltrant de grade 3, HER2, pas très joli, c'est donc pas un 3+ à faible grandissement. L'algorithme qui, si vous l'achetez, vous verrez ça, une espèce de heat map qui vous met l'œil direct sur la zone infiltrante. Et l'algorithme va, cellule à cellule, quantifier l'intensité et le caractère complet ou incomplet du marquage en excluant les zones, voyez, les zones en périphérie qui sont souvent victimes du crush artefact ou bien peuvent être un peu plus marquées en périphérie. Donc ça se met vraiment là où les cellules tumorales sont parfaitement identifiables en les distinguant des non-cellules tumorales puisqu'il y a aussi un outil dans Gallen-Bress de quantification des lymphocytes. Donc, je suis vraiment, moi, convaincue, et là, il y a des membres de l'équipe technique qui sont avec moi là tout de suite. On est en plein dans la transition au tout numérique pour toute l'équipe. Bon, c'est rock'n'roll, c'est pas un long fleuve tranquille, mais une fois qu'on a la chance d'avoir un hôpital qui nous met à disposition l'argent nécessaire pour s'équiper, et comme tout à l'heure, un peu plus tôt, je le disais, il faut vraiment que les pouvoirs publics équipent les pathologistes, l'IA sera d'une grande aide pour augmenter les performances des pathologistes pour le diagnostic. On n'est pas infaillible, on est nombreux dans les équipes, on a un niveau d'expertise qui doit monter, mais si dans des grands CHU ou des grands centres, il peut y avoir un expert par spécialité, mais après on sait bien qu'on est content d'avoir
un backup qui va nous dire là, la zone infiltrante est celle-là à regarder, celle-là à quantifier. Enfin, moi, en tout cas, j'en suis convaincue. Et pas de. Voilà, c'est pas parce que c'est Madame Duchemol ou Monsieur Truc. On peut se tromper, on le sait tous. Et moi, je le. Enfin, voilà, quoi. Donc, si j'ai un outil qui est une aide pour éviter que je me trompe, bah, je suis très contente. Évaluer les marqueurs et faire en sorte que nos grands key opinion leaders, oncologues médicaux, ne disent plus que les pathologistes ne sont pas reproductibles avec le K67. En pathologie mammaire, c'est une douleur d'entendre certains grands key opinion leaders écrire dans des grandes revues « le K67 n'est pas reproductible ». Zut, quoi. Voilà. Donc là, je suis heureuse à l'idée d'avoir des outils qui vont me permettre d'être reproductible. Gagner en productivité, en rapidité, ça c'est clair que le numérique, plutôt que de rechercher nos lames d'immunohistochimie, d'aller les remettre sur le plateau, ah où est-ce que je l'ai mis ce plateau-là, là c'est instantané, c'est royal, et moi j'ai la chance d'avoir donc des juniors avec moi, Julie Gonin, Saint-Cloud, Arnaud Gauthier à Paris, qui sont des fantastiques chefs de projet de déploiement de la pathologie digitale, avec mes chers collègues qui sont là, et Laetitia Furman en particulier. Bon bref, j'arrête. Donc la fluidité du parcours, la priorisation aussi. Si Galen-Brest est passé sur mes cas et que j'ai 30 cas à lire et que Galen-Brest me met un flag, celui-là, c'est femme de 35 ans, grade 3, plein d'emboles, c'est inflammatoire. Prendre celui-là en premier, ça fait sens. Et augmenter la qualité en évitant de se tromper. Voilà, je ne fais pas la réclame, je dis sincèrement ce que je pense. Voilà, donc merci beaucoup.